C'est un krach boursier sans précédent qui a emporté la bourse de New York et ébranlé les places financières mondiales. Ni les différentes banques centrales, ni les États ne sont parvenus à enrayer un effondrement économique d'une rapidité et d'une étendue que rien ne semble arrêter. Le temps s'accélère pour l'ensemble d'un système capitaliste qui entame une course contre la montre. Plus qu'une crise économique, c'est l'échec de toute la politique menée par les États-Unis d'Amérique. L'échec d'un impérialisme inauguré avec la conquête de l'Ouest, affermi par l'intervention dans les deux conflits mondiaux et triomphant avec la guerre froide. Un impérialisme porté par un ultralibéralisme vertigineux qui croyait pouvoir durer éternellement et court en réalité à l'abîme.
That's right, Karen. It was quite a dark day on Wall Street. U.S. stocks joined European and Asian markets in what was a global free fall. The government's $700 billion bailout for banks might not be enough to prevent a recession in the U.S. The Dow lost more than 369 points after falling as much as 800 points earlier in the day, finishing the session below the 10,000 mark, but hitting the lowest level since November of 2003 throughout the day. The S&P shed 42 points to close at an almost five-year low, and the NASDAQ fell 84 points. Stocks selling off Monday, not just because of banking problems in the United States, but due to worldwide credit concerns. Oil dropped more than $6 and closed below $90 a barrel for the first time in 8 months. So there may be a deal in the works to resolve the fight for Wachovia between Citigroup and Wells Fargo. All three of them agreed to a temporary litigation standstill. Jobs at eBay are on the chopping block, the online auction site saying it plans to cut its workforce by 10% and sees third quarter revenue hitting the low end of its forecast. Meanwhile, Eli Lilly agreed to buy ImClone Systems for more than $6 billion, paying a premium over Friday's close. The deal is expected to increase Lilly's work in cancer treatments. California Attorney General Jerry Brown announcing a landmark settlement Monday. Ils ont pris des nouvelles.
Oh.
sens pas très bien. Mon nouvel équipier, qu'est-ce que tu racontes? Je vivrai jusqu'à 90 ans. Mon ami, chérie, je vais mieux, c'est bon de revenir soudain à la traîne. Tu m'as fait peur, tiens, vois un peu. Père,
Si elle vient vivre avec nous.
Thank you.
Pardonne-nous.
joyeux.